J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vais vous montrer vite fait mon make-up. Comme ça vous intéresserait. J'ai utilisé la palette Bébé Cosmétique pailletée. Voilà, parce qu'avec les lunettes, on voit pas du tout ce que ça rend le maquillage. Donc bref, je vous reviens pour vous présenter mon colis swap que j'ai reçu de la youtubeuse Sissi Vivi Lecture, mais comme tu as changé de pseudo, je suis plus sûre que c'est ça. Je vous le noterai et je vous mettrai en barre d'infos. Si vous entendez du bruit, c'est mes chats comme d'hab qui font leurs griffes sur mon fauteuil. Hein, de toute façon, maintenant, il est tellement dans un état avec mes chats que je laisse. Hein. On ne peut pas avoir les joies d'avoir des chats parce qu'ils nous apportent beaucoup de joie sans les inconvénients. Hein. Et de toute façon, il est déjà dans un état. Hein. C'est pas ça prêt. Donc voilà. Donc j'ai reçu le colis et il y a deux jours, mais j'ai pas pu filmer entre temps. Donc je vous filme maintenant. Moi je vais avoir envoyé, je vous mettrai le lien de sa vidéo du colis que je vais avoir envoyé. Ça fait un moment déjà. Donc voilà. Donc je vais enlever tout ce qui est make-up. Je vais vous présenter d'abord les livres et ensuite je déballerai tout ça. Et le colis pour que ça aille plus vite. Donc d'abord j'avais déjà ouvert le colis hein. Je vous avoue deux jours qui étaient chez moi et je l'ai ouvert déjà pour ça aille plus vite et puis regarder tout ce qui était livre, comment ça se présentait et voilà voilà. Donc j'ai une petite carte port en bessin. Voilà, une petite carte de mon lieu de vacances préféré, j'y vais chaque été, tu sais que je t'apprécie beaucoup, j'espère que ce swap 8 placards, make-up et livres te plaira. Hâte de voir ta vidéo, en attendant plein de gros bisous, Sylvie, Ceci Make-up. Donc ça a l'air super joli, où tu vas en vacances, t'as de la chance. Et ben j'adore les cartes postales, j'en avais reçu deux de Emma Chanel, une de Bénédicte, donc je les ai toutes accrochées mes cartes postales, donc celle-là elle va rejoindre ses copines. Donc voilà, en premier j'ai reçu, enfin c'est en dernier mais je vous le montre en premier, parce qu'elle m'avait demandé si ça m'intéressait, justement je voulais le livre pour toutes de la débutante à la pro, Bobbi Brown, leçon de maquillage. Donc, je le voulais, donc je suis super contente. C'est trop cool. Je pense que vous l'avez déjà vu sur YouTube. Hein. Donc, ça, je vais me faire un plaisir de fêter tout ça. C'est trop génial. Et j'ai vu sur Amazon, il y a pas mal, ou Amazon, surtout Amazon, de livres de plusieurs sortes sur le make-up. Quand je pourrais... parce que j'ai beaucoup de tentations et beaucoup de choses aussi que je vais acheter. Je les ai mis dans mon panier en attendant. Mais il y a pas mal de livrets comme ça qui font sur le make-up. C'est super intéressant. Donc ça, c'est génial. J'adore, j'adore, j'adore. Super contente. Ensuite, elle m'a mis des livres. Par contre, celui-ci, dans le livre que tu m'as mis, tu ne pouvais pas savoir. Celui-ci, je l'ai déjà lu. C'est Le Diable s'habille en Prada. J'ai beaucoup aimé, j'ai déjà lu, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, crème anglaise de Kate Clanchy. Elle est super mimi, la couverture. Et il y a beaucoup de bouquins que c'est assez humoristique, marron. Ils ont l'air super sympas, mais je vais pas tout vous dire l'histoire, quoi. Comédie pleine de drôlerie et de cruauté. Le règne anglais des faux semblants, Ouest France. Donc il y a celui-ci. Il y a Le Diable vit à Notting Hill. Par contre, celui-là, je t'assure, je ne l'ai pas lu. Enfin, il n'y avait que le premier que j'avais déjà lu. Le reste, non, c'est bon. De Rachel Johnson. Une histoire d'amour dedans.
Ah, et le verre est dans le fruit, les femmes croquent dedans, et nous on se marre. Oui, ça c'est mais beaucoup de bouquins humoristiques, je sais pas comment, où tu fais pour les trouver. Mais j'adore. La vie secrète d'une mère indigne de Fiona Nels. Nels. Par contre, je pense quand je les aurai lus, je pense que je vous ferai une update un petit peu pas trop racontée parce que c'est pas trop mon fort. Mais peut-être que je pense que je vous en reparlerai dans une vidéo ultérieurement de ces livres. Donc voilà, je vais passer aussi pour pas que la vidéo dure trop longtemps parce qu'en plus il y a plein de make-up. Ça risque de durer longtemps. Toubib or not Toubib Agnès Abekassi. Comme ceci. Spirale de Tatiana de Rosnay. Et ça a l'air super sympa. Je vais vous lire celui-là. Hélène, la cinquantaine paisible, mène une vie sans histoire auprès de son mari, de son fils, de sa fille et de ses petits-enfants. Hélène est une épouse modèle, une femme parfaite. Un jour d'été caniculaire à Paris, sur un coup de tête, elle cède aux avances d'un inconnu. L'adultère vire au cauchemar quand, au lit, l'amant sans nom meurt d'une crise cardiaque. Hélène s'enfuit, décide à ne jamais en parler et surtout à tout oublier. Mais dans son affolement, elle laisse son sac à main avec ses papiers. Happée par une spirale infernale, Hélène ira très loin pour sauver les apparences. Très loin, mais jusqu'où? Dans ce roman au suspense hitchcockien, Tatiana de Rosnay explore les arcanes de la bonne conscience et de la frontière fragile entre le bien et le mal. Et c'est un livre voyageur. En fait, je connais un peu, j'avais vu dans des magazines, il parlait du livre voyageur. Il n'y a rien de noté. Non, en fait, c'est des livres. Moi, j'ai joué le jeu vu que l'étiquette a y. C'est des livres que vous trouvez, par exemple, dans des parcs ou n'importe où, dans un lieu public. Et c'est les personnes qui ont lu le livre qui le laissent, qui parfois peuvent laisser un petit mot, raconter un petit peu d'eux. Et après, vous trouvez le livre, vous le lisez, vous le remettez dans un autre endroit pour les personnes. Le livre, je trouve ça sympa. Donc, il y avait l'étiquette là. Donc, je leur mettrai à voyager. Une fois que je l'aurai lu. Parce qu'il n'y a pas de raison, hein. Je trouve ce concept super sympa. Voilà. Et il me reste les Hunger Games. Suzanne Collins. L'embrassement. Et je pense celui-là, c'est le premier. Celui-ci, ça doit être le premier, je pense. Et celui-ci, deuxième, de Suzanne Collins, oui, je l'ai dit. Et le troisième, c'est, je ne sais pas, bien, une troisième. Donc, voilà pour les livres. Je vais ranger tout ça et on va passer au make-up. Par exemple, comme ceci. Trousse Body. Une trousse. Mon attention hein. C'est une trousse comme ceci. Il y a des choses dedans. Ah, qui sont énervants, mes chats. Ouh. Alors. On a une crème pour les mains à cacao orange. Celle-là, j'avais déjà testée, j'avais bien aimé. De chez Brochet. Enfin, on a, j'ai. J'ai l'habitude de dire on a. Je sais pas pourquoi. Des échantillons, anti-âge global. Contour des yeux. Contour des yeux. Ceci.
ça, je suis super contente. C'est un gloss Urban Decay rose. Il est trop beau. Alors, il y a des produits qu'on a utilisés et quelques produits neufs. Mais bon, en priorité, c'était pour les livres. Mais tu m'as mis beaucoup de make-up, j'ai l'impression. Ouais. J'ai des petits buvards matifiants, ELF. Ça, j'avais acheté, je ne l'ai pas encore testé. Donc, j'en aurai deux. Et puis, ça part vite. C'est un petit baume hydratant pour les lèvres nourrissant bio au miel. Je n'ai pas encore testé celui que j'ai, donc j'en aurai encore à l'avance. Ça, j'adore. Crayon lèvres éclat Yves Rocher. Rose sorbet. Il a l'air trop beau. J'ai un parfum Yves Rocher comme une évidence. Ça, j'avais déjà eu le grand parfum cadeau. Un mini gloss. Yes Love, un côté rouge à lèvres, un côté gloss. Comme ceci. Yves Rocher. Par contre, la luminosité, elle est pas. Je filme en matinée, mais il fait pas très beau, quoi. Et c'est écrit en tout petit, donc je pourrais pas vous dire la référence. Je vais pas arriver à l'ouvrir. Si, j'arrive à l'ouvrir. Ça rouge à Yves Rocher qui se présente comme ceci. C'est un marron. Moi j'aime bien les marrons aussi. Voilà. Et enfin dans la trousse, il y a le Color Sensational Crème Gloss Maybelline New York. Je sais pas la référence. Le 560. Par contre, j'ai jamais vu ça, cette collection-là. Je l'ai jamais vu. C'est un gloss rouge super pigmenté. C'est rare que je mette du rouge. Super pigmenté pour un gloss. C'est super rare que j'en mette, mais bon. C'est pour ça que j'ai pas trop de rouge à lèvres rouge et de gloss rouge. J'en ai 2-3 ma grands maximum parce que c'est des couleurs que c'est super rare que je porte. Mais bon, ça peut m'arriver. Donc merci pour ça. Ensuite, je comprends pas ce que c'est noté en haut. Petite trousse beauté. Il y a un mot en haut, je comprends pas trop. Donc voilà. Alors, c'est une petite trousse. Attention! Rose poudrée. Je vais tout sortir. J'ai pas mis ma jette. Arrête! Elle est en train de jouer avec les cadeaux. Non, pas! Baume d'argan nourrissant 75 ml. Arrête, calme-toi. À l'huile d'argan bio du Maroc. Je sais pas pourquoi, si c'est pour le visage ou quoi. Pour le corps. Ok. Donc super, j'ai jamais testé. Ensuite du. Il y a pas mal de bijoux.
sont un peu emmêlés ceux-là, mais bon, c'est pas grave. Je vais montrer comme ça. Alors, c'est des multi-chaînes avec des petites pierres noires et des petits pendants, quoi. Comme ça. C'est joli. Après, c'est encore un pendentif blanc. Doit être en blanc, transparent. Ça, c'est trop mignon. Si j'arrive à le démêler, comme ça, à peu près. C'est une grande chaîne avec deux cœurs pendants et des petits cœurs. Oh, vous allez rien voir. Oh, j'aime bien. C'est sympa. C'est pas évident de montrer. Hein. Voilà. J'aime beaucoup les petits cœurs là. C'est joli. Ensuite, j'ai encore des bijoux là-dedans. Là, je vais vous montrer qu'une, mais c'est la paire. Hein. Alors. C'est des petites boucles d'oreilles, j'aime beaucoup. Strass rose et blanc. Le strass, il est rose au milieu. C'est discret, mais c'est joli, j'aime bien. J'aime beaucoup. Ça fait super beau. Beaucoup de strass rose au milieu, il est trop beau. Vous voyez pas, très rose, mais il est super mignon. Après, il y a des petits clous strass. Des petits nœuds. Que vous allez voir. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Aïe! Aïe, aïe, tu me fais mal! Arrête! Arrête! Hein. Je peux jouer avec le papier cadeau, mais pas avec mon range caméra. Oh, énervé, c'est pas possible. Des petits nœuds. Voilà. Elle m'énerve de l'énerver comme ça. J'ai boucles d'oreilles comme ça qui sont super sympas. J'adore. Aïe, tu fais mal. Ah, mordre ses griffes. Donc, merci ma belle. Je ne sais pas encore que j'ai merci, mais je te dirai grand merci à la fin. De toute façon, je t'ai déjà dit, j'adorais déjà le livre. Et là, c'est super sympa. Tu sais que les bijoux, j'aime bien et tout. Maquillage aussi, mais bon, j'en ai plein déjà. Mais bon. Alors. Pour tes jolis cheveux colorés. Shampoing très doux, fleur de cerisier et soie. Label Intermarché, cheveux colorés ou méchés. Il y a du scotch dont je ne vais pas sentir, ça doit sentir très bon. Je ne sens pas d'ici, mais c'est super sympa. Voilà comment elle est. Super sympa, merci ma belle. Toujours avec les trucs toi. Oh, ça va énerver si je lui donne les papiers cadeaux. Pour jouer avec. Indispensable pour une youtubeuse.
Qu'est-ce que c'est? Un carnet. Un petit carnet, on dirait. Ouais, c'est un petit carnet. Comme ceci. Trop mignon. On a tout le temps besoin. J'adore le petit carnet. Trop mimi. Alors, après, ça fait combien de temps que je filme? 22 minutes déjà. Je pense que j'aurai des découpages, mais bon. Ça va être un peu long, hein, mais bon. Voilà. Parce qu'après, j'ai encore une grande boîte plein de make-up. Donc, on en a encore pas un moment, hein. Plein de make-up en espérant que tout te plaira. Une grande boîte comme ça. Ah oui, une grande boîte comme ça. Ah là 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 là. Elle est trop belle aussi la boîte. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, tout ce que tu m'as. Je vais tout sortir et puis comme ça je pourrais ranger et tout remettre dedans, les filles. Donc je vous reviens après. Pas mal de choses. Alors il y a une lime super girly, j'en ai pas des grandes comme ça en plus. À paillettes. Moi j'en ai pas d'aussi grande. Une crème de nuit Q10 vitamine E 6 butter. Qui est fermée donc je vais pas l'ouvrir. Donc ça sert toujours aussi. J'ai une, deux, trois. Je pense qu'on a trop, 4. Des petits galets effervescents pour les bas de pied de chez Brochet à la lavande. La gamme à lavande pour les pieds de Brochet, j'ai déjà testé notamment un gel fraîcheur. Moi, j'ai bien ressenti l'effet du gel fraîcheur sur les pieds. Je trouve que c'est super agréable. Et ça, j'ai jamais testé, mais ça a l'air super sympa. Ça m'arrive aussi de prendre des bains de pieds, surtout l'hiver. Parce que j'ai un appareil, vous savez, on met les pieds, ça fait des bulles. Selon, vous pouvez le mettre fonction bulle, fonction massage, etc. Ça fait vraiment du bien et pour détendre et tout. Donc ça, c'est super sympa. J'ai jamais testé, donc je suis contente. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Essence Bright Dan Twilight. On a un gel pailleté eyeliner collection Twilight 02 Jacob Protection. C'était une édition limitée. Je n'ai même pas vu passer l'édition limitée Twilight. Si vous allez bien voir, c'est une petite paillette bleu marine. Bon, c'est encore la même édition, mais avec des paillettes violettes, je pense. Si vous verrez bien, j'ai pas tout swatché parce que ça va prendre vraiment trop de temps. J'ai encore plein de choses. J'ai un gloss plein de paillettes Yves Rocher. Ensuite, je sais pas pourquoi tu m'as mis 3 ombres à paupières Yves Rocher, mais c'est les trois mêmes teintes. Les teintes violettes, c'est les trois mêmes. Alors, je pourrais jamais porter les trois mêmes dans toute la vie, j'en aurais. Je pense pas.
C'est les trois mêmes teintes. Ceci, vous ne verrez pas bien, mais c'est un parme, un joli parme, mais trois, ça fait un peu beaucoup. Hein. Trois pareils. Donc, je verrai bien ce que je ferai des deux autres. Hein. J'ai un produit noir, ce qui a eu des paillettes dessus. J'ai mon nez qui gratte. C'est quoi? Corfou. Je sais pas ce que c'est. Petit produit nars comme ça. Qu'est-ce que c'est? Alors les filles, je sais pas du tout ce que c'est. C'est un highlight. Je sais pas du tout ce que c'est. Ça a l'air crémeux. Oui, tu me diras ce que c'est quand si c'est un fard à paupières, un highlight. On dirait un fard à paupières, brillant, je sais pas. Pas un highlight. Tout en haut là. Ouais, c'est peut-être un highlight. Ouais. Un highlight crème. Allez, pas mal. Super. Encore un petit échantillon Yves Rocher. Moi, je pense que ça doit être un highlight. Elle est trop jolie. Ensuite, une base. Ça doit être une base à paupières pour les yeux. Ça, c'est super cool aussi. Ouais, c'est ça. Une base à paupières pour les yeux. C'est super sympa. De chez ULF. Super sympa. J'ai de chez Yves Rocher. Une mini palette quatuor d'ombre à paupières dans les tons dorés, nude, marron, beige. Voilà, elle a l'air super belle les couleurs. Merci beaucoup, super cool. J'ai deux rouges à lèvres. Hydrakel. Alors on a un rose et un beige doré, un marron doré. Plus un doré peut-être ça. Ouais, c'est un marron doré, il est trop beau. Oh. Il est trop beau. Je vais en chercher des. Vous savez, vous dorez. Et un rose. Un doré discret, hein, mais pas mal. Ensuite, je vais pas l'ouvrir parce que c'est des pigments, la collection Twilight. Des pigments violets. Eu un marque-page aussi, ça je suis super contente parce que justement j'ai pas de marque-page et je sais pas où est-ce qu'on peut en trouver. Si vous pouvez me dire où est-ce qu'on peut en trouver, j'aimerais bien commencer une petite collection de marque-page. C'est Rivage de Normandie, la digue du petit port de Coury. Je sais pas si c'est près de chez toi ou quoi, ou si ça n'a rien à voir. Et voilà. Donc ça c'est pareil, je vais le garder. J'aimerais bien faire une petite collection, mais où on en trouve des marque-pages, je ne sais pas du tout. Ça c'est une bonne idée. Je ne sais pas quoi prendre tellement il y a de trucs. Il y a deux choses. Maybelline Eye Studio. Comme ceci. Alors c'est deux ombres à paupières, un marron et un corail je pense. Pareil, je ne connais pas vraiment du tout cette collection. Peggy Sage, ombre à paupières duo. Sable écorce.
Il y a de l'ombre, il y a une seule teinte dedans. Bizarre. Voilà. Une teinte nude. Écoute, je sais pas comment je vais faire hein, parce que j'ai commencé mon rangement en make-up. D'ailleurs, petit aparté, je vais vous faire mon rangement make-up est en cours, mais désolé, j'ai le nez qui gratte. Mais j'ai pas encore mis mes palettes, j'ai pas encore mis tout mon make-up et je vais encore recevoir des rangements et commander des rangements maquillage. Donc je sais que vous l'attendez, mon rangement make-up. Donc je vous le ferai, je vous montrerai comment il est pour l'instant. Ça sera déjà pas mal, déjà vous aurez un petit aperçu et quand vraiment tout sera bien mis, je vous montrerai vraiment. Mais déjà ça vous donnera quand même un aperçu parce que j'ai quand même mis pas mal de choses. Donc tout ça pour dire, il va falloir que je retrouve des rangements pour tout ça. Aïe 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 aïe. Il m'aurait fallu en fait un ou deux meubles Alex, vous savez, pour tout ranger là. Parce que j'arriverai jamais à tout mettre. Hein. Il y a des choses que j'ai mis de côté en réserve. Parce qu'il y a trop de choses, il y a trop de choses, c'est pas possible. Et je peux pas me servir de tout en même temps. Et en fait, c'est deux bureaux que j'ai mis l'un à côté de l'autre, l'un à côté de l'autre, et des petits rangements comme ça. Donc, j'ai fait comme ça pour l'instant, et tout ça pour vous dire que j'ai encore des rangements à faire. Mais bon, je vais vous la présenter comme ça, déjà pour que vous ayez un aperçu. Mais je sais pas, je vais ranger tout ça. Oh là là. De chez Kiko, un double touch. Vous avez le gloss à mettre par-dessus et le gloss pailleté. Pareil, rouge à lèvres 10 heures. Bon, on dirait que c'est un gloss. C'est bizarre. Ils disent rouge à lèvres 10 heures. C'est un gloss. Hein. Et, pareil, j'ai jamais vu cette collection-là. Hein. En même temps, je regarde pas tout le temps tout ce qui sort. Ouais, c'est plutôt un gloss et puis un gloss pour faire tenir, je pense. J'ai des petites ombres à paupières gloss. Enfin, c'est noté gloss dessus. Comme ceci. Un bleu et un crème. Après, ils sont pas très pigmentés, mais bon. Ça c'est quoi? Une ombre à paupières Kiko 145. J'aime beaucoup la couleur. Pas bien. Non, vous voyez pas du tout. C'est un joli rose. Joli rose corail. J'aime beaucoup. Non, ma paupière de chez Agnès B, le monobule Jade Scintillant. Pareil de la marque Gloss, un petit rouge à lèvres comme ça. J'ai des petites ombres mono de chez Rocher, un doré qui a l'air super beau avec des micro-paillettes. Un mauve clair et un argenté. Une genre de fond de teint poudre.
plus c'est une de mes teintes, donc c'est super. Poudre confort mat, éponge, poudre confort mat, c'est plus une poudre, super. Et on a encore une aussi. Un peu plus foncé que l'autre. Je sais pas, je vais mettre tout ça. Hein, un Silky Touch Blush de chez Essence. Assez discret. 30 secrets It Girl. Girl, ça corail super clair, super naturel. Ensuite, il reste des ombres mono de chez Rocher, à rose, à blanc, couleur nature, un rouge à lèvres gloss rose. Un petit gloss, encore de la marque Gloss Rose. De la roche posée pH 50, un bleu lisseur d'optique 3 ml. Un mini parfum. L'échantillon de parfum. J'essaie de pas trop traîner parce qu'on a quand même à 40 minutes. Mon Dieu, mon Dieu. La collection Breaking Dawn, un gloss rouge mais avec des paillettes bleues à l'intérieur. Ça m'a l'air super beau. Yves Rocher gloss volume comme ceci. Food light, lip gloss rouge à lèvres. C'est quoi ça? Un rouge à lèvres avec des reflets noirs. Ils sont trop bons. Avec des reflets. Enfin, ça paraît violet foncé dans le flacon. Et c'est des légers reflets violet clair avec plein de paillettes. Vous verrez rien, ça sert à rien que je vous montre. Maybelline Fit Me Stick. Ça c'est super pratique pour mettre son fond de teint en format stick comme ça. J'en avais eu deux de chez Yves Rocher. Il y a longtemps, aux périodes où on sort en boîte, j'aimais beaucoup. Ça va super vite pour faire son teint. Et enfin, j'ai eu deux palettes de chez Yes Love. Alors, une palette de plus dans les tons neutres, si on peut dire. Et l'autre dans les tons rosés. Sont irisés pailletés. Là c'est super pratique à emmener, vous avez toutes les couleurs. Et celle-ci qui est super belle aussi. Donc c'est ma gâte en make-up, hein. Je sais pas, je vais ranger tout ça. Oh là là, je galérais pour ranger tout ça. Même pas confiné malheureusement, je vais galérer. Donc merci ma belle, les livres j'adore, le maquillage c'est sympa, j'aime bien les mini palettes là, la palette ombre à paupières, enfin j'aime tout, mais je te dis ce que j'aime bien les deux palettes. Donc, ceci, ça, les poudres Yves Rocher, je sais plus, il y a tellement de trucs que je sais plus.
Les bijoux, j'aime beaucoup, les aussi, les bijoux que tu m'as pris. Donc voilà, il n'y a pas un truc que j'aime pas. Non. Ni qui sera trop foncé ou trop qui m'irait pas, y a pas rien qui m'irait pas, on va dire. Donc il n'y a pas de soucis. À part que je ne sais pas où mettre tout ça. C'est pas grave, on va agrandir son rangement make-up. Hein. Quitte à mettre un meuble à côté, puis à changer tout ça, on verra après. Hein, de toute façon, ça va pas rester comme ça, mais je vous montrerai bientôt. Mais ça, je ferai un rangement après parce que j'ai encore plein de choses à ranger. Donc voilà les filles, j'espère que ça vous a plu. Désolée pour la longueur de la vidéo, mais je peux pas faire autrement. Je vais essayer de couper un peu si je peux. Mais voilà. J'espère que ça vous a plu. J'ai oublié de vous montrer les petits clous que j'ai eu de chez AliExpress. Enfin, je vous les remontrerai aussi dans ma vidéo AliExpress. Quand j'aurai assez de produits, j'ai eu des petits clous comme ça, avec des petits genres de dés transparents. Donc voilà. Donc je te remercie ma belle pour ce swap. Tout m'a plu. Tout m'a plu. J'ai quand même une préférence pour les livres. Pour les livres et dont le livre de maquillage et tous les livres que tu m'as mis. Le maquillage, il est pas mal aussi. Il est bien aussi. Ouais. J'aime tout. Donc voilà les filles, on va conclure là hein, parce que ça fait déjà un moment que je tourne cette vidéo. Je vous fais plein de bisous.